Bienvenue sur American Universe, nous voici sur mon jeu de chevet Sekiro. Alors, si vous aussi vous en avez marre de mourir contre Isshin version Vision, ce guide est pour vous. Mais tout d'abord, si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et cliquer sur la cloche de notification. Cliquez. Et un grand merci pour les derniers abonnés, en tout cas, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et ça me permet de développer la chaîne. Alors, ici, on va rentrer directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire on va aborder Isshin version Vision, donc c'est une version d'Isshin beaucoup plus coriace qui va clore le défi de Force Rupture en fait. À la base, je voulais faire un guide sur le défi de Force Rupture, mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup trop de boss dans ce guide, pour faire un guide en fait, dans ce défi de Force en fait. Et donc, plutôt que de m'attarder sur tous les boss qu'on connaît déjà, genre le singe gardien, etc. Je me suis dit, je vais m'attarder plutôt sur celui qui pose vraiment problème, c'est-à-dire le dernier, qui est Isshin Vision. Alors, on rentre directement dans le vif du sujet, dans les prérequis. Honnêtement, uniquement le parapluie charge, donc c'est-à-dire le parapluie mauve, donc je crois que c'est le parapluie lilas du phénix, voilà, lilas du phénix, c'est ça. Indispensable vraiment sur ce combat si vous voulez vous faciliter la vie. Au niveau des techniques spéciales, si vous avez la danse du cerisier, c'est vraiment bien. Mais si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Vous prenez la taillade tourbillon, ça fera l'affaire. Et j'ai mouillé la chemise, je me suis vraiment sacrifié pour vous. C'est-à-dire que j'ai pris vraiment tout mon temps pour qu'on voit tous les patterns de ce boss. Enfin, de ce boss. Voilà, la première attaque qui va vous faire celle-là, vous reculez, vous avancez. C'est assez facilement esquivable quand on connaît le petit tips. Voilà, ça c'est une nouvelle attaque. C'est une attaque que vous allez devoir contrer dans un premier temps et ensuite vous allez devoir sauter car c'est son balayage. Et c'est l'attaque la plus imprévisible pour moi que possède la première phase d'Isshin. Car c'est une attaque qu'il fait extrêmement rapidement, déjà de 1, mais en plus il peut la faire en contre, c'est-à-dire il peut vous contre-attaquer. Et là vous ne pouvez absolument rien faire, je trouve ça vraiment injuste d'ailleurs. Car vous êtes déstabilisé. Il a l'Ishimonji, double Ishimonji, pardon. Là, vous faites double esquive sur l'arrière au dernier moment. C'est un peu comme le Isshin de la fin Shura. Là, ça, on connaît. Donc, c'est le contre plus Mikiri derrière, donc avec son stock. Voilà, ça, on connaît aussi. Vous pouvez esquiver sur le côté. Et là, encore une fois, il a fait sa nouvelle attaque, c'est-à-dire. Vous voyez, c'est une espèce de coup qu'il fait avec ses poings et après un balayage. C'est l'attaque que vous allez avoir le plus de mal à reconnaître au début parce que elle ressemble beaucoup à la croix d'Ashina au début. Et voilà. Ou alors quand il fait son balayage comme il a fait ici, ça aussi c'est très très compliqué. Mais si vous voulez un indice visuel, c'est au moment où il rentre son épée dans son fourreau. Il y a de grosses chances qu'il fasse cette attaque. Ce balayage. Alors là, évidemment, quand il fait son attaque spéciale ici, vous voyez ici la croix d'Ashina. Bon, malheureusement, je suis resté bloqué contre le mur, donc je me la suis prise de plein fouet. Vous avez vu son attaque spéciale de l'âme des ténèbres. Vous pouvez lui renvoyer donc avec le parapluie. C'est ce que je préconise plutôt que d'esquiver l'attaque. Ça lui fait monter sa barre de posture. A noter que j'ai vraiment pris le temps pour vraiment qu'on puisse voir tous ces patterns, surtout ces nouveaux patterns. Et en parlant de nouveaux patterns, on va voir maintenant ceux de la deuxième phase et la dernière phase qui sont des phases assez tricky. Alors voilà, ça c'est sa première nouvelle attaque. Donc c'est-à-dire qu'il va faire un balayage et puis il va sauter et va vous faire soit une attaque d'énergie, comme il a fait juste auparavant ici, ou soit il va vous faire une attaque
des stocks et là vous faites un Mikiri. Il peut faire un Ichimonji simple. Vous avez largement le temps de l'esquiver honnêtement. Ou le contrer, c'est à vous voir. Voilà. Balayage, il saute et voilà, il attaque d'énergie. Vous faites une petite esquive sur le côté, vous le réattaquez deux fois. Pas plus. Pas plus de deux fois parce que là vous pouvez esquiver ou alors contrer avec le parapluie. C'est vous qui voyez. Sachant qu'il y a une méthode, si vous êtes assez proche, vous pouvez lui sauter dessus sur sa tête. C'est assez. Mais faut être vraiment proche, sinon utilisez le parapluie, c'est plus safe en fait. Et là, c'est pareil que le Ishin normal. Non, là il refait encore sa nouvelle attaque. Hop, on esquive sur le côté. Deux coups. Attaque sautée. Là malheureusement je me suis un petit peu foiré sur l'esquive. Oui ici je vais mourir plusieurs fois mais c'est pas... En fait pourquoi je vais mourir c'est tout simplement parce que j'ai vraiment voulu vous montrer tous les patterns. Et il y a certains patterns qu'il a vraiment mis du longtemps à sortir en fait. Après, en fin de vidéo, en bonus, vous aurez un combat propre, vous verrez vraiment comment ça se passe. Quand le combat, vraiment normalement. Et qu'on maîtrise, évidemment. Il n'est pas évident. Alors, petit tips pour ici, ce qu'on vient de voir ici. Lorsque vous vous soignez, il va très souvent faire une attaque sautée. Et donc, en fait, ce que je vous préconise, c'est que lorsqu'il fait l'attaque sautée, juste après que vous vous soyez soigné, faites une double esquive et vous serez dans son dos et vous pourrez l'attaquer. Vous allez voir systématiquement quand je vais me soigner. Il va faire quasiment tout le temps une attaque sautée. Et ce qu'il faut faire c'est double esquive juste derrière. Voilà, il continue ici à faire ses patterns qu'on connaît déjà. Ça, tout ça on connaît, on reste à mi-distance comme le Ishin normal. Je vous invite à aller voir mon guide si vous ne connaissez pas ces patterns de base. Donc le guide sur Ishin normal, donc le saint. Le maître épéiste, pardon. Je confonds avec la version anglaise. Là, voilà, sa nouvelle attaque. Et là, c'est l'énergie. Hop, une petite esquive sur le côté. Et vous pouvez aussi en profiter pour vous soigner. Hein. C'est pas obligé de l'attaquer. Ishimonji. Oh. Et voilà, ici malheureusement, pourtant j'avais, me semblait avoir eu le bon timing, mais... Alors ça c'est son attaque enroulée, donc là vous pouvez aussi lui sauter sur la tête en fait, mais j'étais un peu trop loin, donc prends pas de risque. Surtout qu'il me reste pas mal, il me reste vraiment beaucoup d'emblèmes, vous voyez, j'utilise à peine le parapluie à certains moments, mais c'est tout. Voilà, énergie, on esquive sur le côté. Et là, j'aurais pu l'attaquer, mais je me suis soigné. Donc, vous avez l'idée, hein. Là, il fait le balayage. Voilà, c'est ça que j'attendais, c'est qu'il fasse son balayage. De temps en temps, il va faire un balayage. Je vais pas tout le temps vous faire un Mikiri. Donc, faire attention à ça. Là, vous sortez le parapluie. Ça vous prend un emblème. Là, par contre, j'aurais pu faire une esquive sur le côté. Je me suis... C'est pas évident parce que c'est vraiment un boss de où faut être vraiment vraiment dans le flow, mais limite plus que la plupart des boss de Sekiro. Et le fait d'attendre qu'il déclenche certains patterns fait que je me prends beaucoup de dégâts en fait. Ou alors c'est une excuse pour dire que je joue mal, ça c'est vous qui voyez. Mais non, mais vraiment c'est pas évident parce que du coup je suis pas dans, je perds à chaque fois le flow en fait du combat. Et donc parfois je me dis mais pourquoi je me suis pris un coup sur une attaque aussi simple, mais en fait il suffit d'être déconcentré. Et là en l'occurrence oui par exemple le balayage il me l'a sorti une fois.
Et c'est vraiment complètement aléatoire, hein. C'est la RNG parfois. Et certains combats, il va vous faire 3 ou 4 balais, hein. Je trouve ça dépend. Alors ici, voilà, sa nouvelle attaque, on connaît maintenant. Hop, Mikiri derrière. Vous allez la reconnaître, de toute façon, à chaque fois, il met son épée en l'air, en fait. Et vous avez le Kanji, donc vous savez qu'il va... Il va faire sa nouvelle attaque. Et au bout d'un moment, voilà, c'est assez prévisible cette attaque-là, puisque... C'est vraiment la nouvelle attaque qu'il a, quoi. Voilà, il met son attaque, on connaît, hein. On saute, hop, on esquive, on attaque. Mais c'est vrai que c'est impressionnant, parce qu'à la première fois qu'on est contre lui, on se dit, oulala, qu'est-ce que c'est que ça? Un balayage mélangé à un saut et... Mais en fait non, c'est un pli à prendre, mais c'est la même approche que le Ishin normal. Et on passe à la dernière phase. Alors si vous avez la chance d'avoir la danse du cerisier, utilisez-la honnêtement. Si pas, bah, soit vous sautez, vous pouvez utiliser les plumes aussi. Vous avez vraiment beaucoup d'alternatives. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'étais encore déconcentré, mais c'est pas grave. Moi, l'important ici, c'était vraiment que vous puissiez voir tous ces patterns, en fait. Alors, essayez de faire le plus de perfect paris possible aussi pour sa posture, parce qu'elle est plus grande que le Ishin normal. Là, ici, on saute, hop, ou on fait la danse du cerisier. Donc, je vous rappelle, la danse du cerisier, pardon, que vous récupérez sur le défi de l'héritier divin. Vous devez battre Genichiro Vision. Qui est un super boss d'ailleurs. Voilà, si sur la dernière phase, c'est les mêmes patterns que sur la deuxième phase, c'est juste qu'il y a les phases d'éclair. Et là, je me suis un petit peu manqué sur le timing. Faut vraiment sauter au dernier moment. Oui, si vous voyez que vous n'allez pas savoir tout contrer, et vous pouvez éventuellement sauter en arrière, en fait, comme je l'ai fait. Parce qu'il vous laisse pas respirer, quoi. Voilà, c'est une nouvelle attaque. On esquive au dernier moment. On lui renvoie ses éclairs avec la danse de cerisier et c'est fini. Bon, évidemment, si j'avais raté mon timing, là j'étais mort en fait. Mais voilà, je pense qu'ici on a vu, c'était assez exhaustif, on a vu tous ces patterns. Mais il faut retenir vraiment... Et c'est fini. Il faut surtout retenir vraiment ces deux attaques sautées. Hein. Vous avez vu, ou soit il finit en stock, ou alors il vous envoie une décharge d'énergie, ou il faut esquiver vraiment juste au dernier moment avant qu'elle arrive sur vous. Donc sur le côté droit ou gauche. Ça dépend aussi de si vous êtes proche de lui ou pas. Parce que si vous êtes proche, vous pouvez limite même pas, en fait, juste même pas esquiver en fait, juste aller sur sa droite ou sur sa gauche. Mais plus vous êtes loin, plus cette attaque va être dangereuse en fait. C'est ça le... Lorsqu'il va sauter, ça va être plus vous allez être loin de lui, donc c'est super important de rester toujours à mi-distance, comme je vous l'avais dit. Pour le Ishin normal aussi. Sinon, pour le premier Ishin. Enfin le premier Ishin, la toute première phase, c'est le balayage qui va vous poser le plus de problèmes. Et ici, c'est un petit bonus. Donc c'est... Le combat. Et vous allez voir ici qu'en fait, pourquoi j'ai dû faire un long combat, c'est parce que sinon c'est trop court en fait. Je le bats beaucoup trop rapidement. Ishin sur sa première phase. Mais voilà, vous avez un petit aperçu une fois que vous êtes en maîtrise. Voilà. C'est plié.
Ça a pris même pas une minute pour la première phase. Deuxième phase. Hop. N'oubliez pas donc petit divin, sucre d'Aco. Évidemment, inutile de préciser que c'est. C'est mandatory, comme on dit en anglais. Même si sur cette phase-ci, bah, je ne vous déconseille d'essayer de les. Ah, ouais, je vous déconseille d'essayer de les prendre en plein combat parce que c'est. Il va pas vous lâcher donc. Vous allez voir ici, en fait, je vais faire que des perfect paris, ce qui va faire monter sa jauge de posture très rapidement en fait. Mais ça demande vraiment de connaître bien ses patterns. Et c'est pas évident. Et ça demande surtout d'être dans le flow en fait. Et là, le fait de le combattre sans me dire ah mais il faut que il déclenche telle attaque ou telle attaque, ça fait que je suis vraiment beaucoup plus agressif. Ça n'empêche pas de faire des erreurs, hein, mais. Je pense que c'est une des rares erreurs que je vais faire. Hein. Et vous voyez, je fais des perfect paris sur quasiment toutes ces attaques. Indispensable si vous voulez que sa jauge de posture se brise rapidement. Et vous voyez, quand je me suis soigné, on fait une double esquive, on est dans son dos. Comme je vous l'avais dit. Là, ici. On saute, on fait une double attaque. Pas plus. Pas être trop greedy. Là, ça, on connaît ce pattern. Là, voilà, il va toujours finir avec une stock. Je suis même pas sûr qu'il va me faire un balayage, en fait. Je ne pense pas. Il n'en va pas. Hop. Vous voyez ici, limite j'avais même pas besoin d'esquiver parce que j'étais tout près, comme je vous l'avais dit auparavant. J'avais juste à le contourner en fait. Vous voyez, cette attaque, pour la diversifier un peu, elle est pas si. C'est si vous êtes à distance qu'elle peut être dans l'étal en fait. Quand il saute, voilà, on contre, là c'est des. C'est l'attaque qu'on connaît, l'attaque au pistolet, facilement contrable. Ou esquivable, et on est déjà sur la dernière phase. Vous voyez, ça va très très vite. Et du coup, j'aurais pas pu vous montrer vraiment tous les patterns en fait, c'était impossible. Voilà, ici on esquive comme ça, c'est très facilement esquivable, hein, ces rayons comme ça verticaux. Là. Voilà, ça c'est la deuxième erreur que j'ai faite, c'est que j'ai raté mon timing sur le saut. On saute deux coups, pas plus. Hop. On attend bien qu'il retombe pour sauter. Pas trop tôt. Félicitations pardon à vous. J'en perds mes mots. Vous avez battu Genichiro Vision, qui est clairement un des boss les plus difficiles du jeu. Mais peut-être pas le plus difficile encore. Il y a encore un boss que je n'ai pas encore fait en version Vision et je. J'ai hâte. Ce sera pour le défi de force Shura en fait. C'est le dernier que je n'ai pas encore fait en fait. Et donc, lorsque vous aurez fini le défi de force, donc rupture, en fait, lui c'est le dernier boss. Vous allez débloquer cette tenue, donc cette belle tenue de Tengu, qui est un Tengu. En gros, c'est un yokai japonais ou dans la religion shintoïste, c'est un protecteur donc des montagnes et des forêts. Donc, mais c'est surtout Isshin Tengu. Le Tengu, c'est Isshin qu'on rencontre lors de notre aventure dans le château, notamment. Et même s'il était malade, le seigneur Isshin avait quand même un besoin de contrôle sur son domaine, donc sur Ashina. Et on peut interpréter ça comme ça.
Mais voilà. Et ce yokai japonais, en fait, a un long nez, un visage rougeâtre, et pour montrer qu'il est énervé. Voilà, c'est une tenue assez atypique, j'avoue. C'est pas ma préférée, j'ai vu des vidéos avec la tenue Shura qui est clairement la plus belle de toutes les tenues. Mais elle est quand même assez atypique, ça nous donne vraiment un air de paysan avec un masque. C'est un peu un engoulevant, un peu. Mais elle se mérite cette tenue et le pouvoir. Évidemment, vous allez aussi récupérer une puissance d'attaque en plus. Mais ça se mérite. Maintenant, voilà. Mis à part ce boss, les autres boss, franchement, sont très faciles. C'est pour ça que je me suis dit que ça servait à rien de faire un long guide sur le défi rupture, parce que c'est des boss, le boss singe. Vous allez affronter la chouette, vous connaissez par cœur. Si vous êtes là, si vous en êtes là, honnêtement, vous allez affronter la religieuse corrompue, qui est aussi vraiment. Allez, on la connaît quoi. C'est assez simple. J'ai peut-être oublié un boss. Ah oui, Egenichiro, mais la voix de Tomoe, alors lui, c'est plié en 2 secondes, quoi. Enfin, vraiment, ça, on le connaît par cœur. Mais voilà, ça me demandait quand même. Et le singe gardien, donc oui, je l'ai dit déjà, j'en ai déjà parlé. Ça me demandait vraiment trop de temps de vidéo de traiter de tous ces boss dans une. Mais voilà, c'est lui. Une fois, si vous maîtrisez Isshin Vision, vous maîtrisez. Voilà, je vous montre ici. Le défi rupture en fait, tout simplement. Et ouais, ici la récompense, donc souvenir d'un autre Tengu. Ce souvenir appartient au Tengu d'Ashina, qui n'est autre qu'Ishin évidemment. Mais voilà, pour résumer, ce combat, en fait c'est un combat qui ne demande pas une approche radicalement opposée ou radicalement différente de l'approche qu'on a sur le Ishin, le boss final du jeu. Et surtout, comment réussir le défi? Parce qu'à la base, c'était mon objectif, comment réussir le défi rupture? Eh bien, simplement, faites le défi rupture. Une fois que vous arrivez sur lui, soit vous êtes vraiment doué, vous le battez en first try. Mais si pas, après, vous allez débloquer son souvenir et vous, honnêtement, entraînez-vous et faites. Bah, comme je vous montre dans la vidéo, hein, je vous ai vraiment décortiqué tous ces patterns. Ça devrait vraiment bien se passer pour vous, honnêtement. C'est un boss qui demande vraiment d'apprentissage, c'est clair. Mais ça en vaut vraiment la peine parce qu'il a, voilà, au-delà des récompenses, vraiment la satisfaction qu'il donne quand il est battu, c'est la meilleure des récompenses. En tout cas, on se retrouve bientôt. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis ciao!